Bon, moi, je dirais que le président Traoré n'a pas besoin de ça. Et comme il l'a dit aussi lui-même, qu'il partira 2026 à la tête du route, porté en triomphe. Et je crois que si les gens veulent qu'on porte le président Traoré en triomphe, qu'il arrête d'amuser la galerie. Je crois que le peuple n'a pas besoin de ça. Il y a une loi, la constitution béninoise existe. Et dans la constitution béninoise, c'était dit que nous n'avons le droit de faire plus que deux mandats. Et je crois que le président Traoré n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Et en connaissant, en voyant aussi l'homme, dans son comportement, dans son caractère, il n'a pas besoin. Et je crois qu'il n'est pas prenant. Et que les gens arrêtent d'amuser la galerie. Que le peuple a d'autres choses à pointer. Selon moi, dans mon avis, je ne suis pas encore sûr que ça peut marcher. Parce que la constitution du pays, la constitution veut de nous faire comprendre à l'époque que si un être humain prend le pouvoir, il a droit à faire les 10 ans. Après les 10 ans, il va se démissionner. Et le second prochain président va venir au pouvoir. Donc de là, il faut que Dieu nous accorde une longue vie. Et puis on va voir la fin d'abord. On ne peut rien dire pour le moment. Mais on est là à voir la fin d'abord. Il faut que le jour arrive d'abord, on va voir comment la scène va se passer. Je vois que ce que le président fait au Bénin maintenant actuellement, c'est à mon avis, c'est très bon quoi. C'est très bon. Donc s'il peut continuer, si les députés ont voté et ce troisième mandat, moi je serai content. Parce qu'il a fait progresser notre Bénin. Le Bénin a évolué bon, dans les 7 ans passés, un peu de plus quoi. Nye pede fi onwe kambi onye lo jekuro ere na le kwa tongo na do e na kuro e chuo me na do hofu na ko igbe ni me hoho jo me na poser question fu parce que ne le timbo e awon ya le timbo e se to na ni ma do kojo ko bo ni ma na kon do adogo wu bo na kon do adomi ton wa e wa so e ze azo nu kun de jide le dile le te bonu e me wa ile. Et continue mon et bon mon bon et à goye ton an au moyen bénin le développement bénin le développement des non d'or moi m'a manqué au cas où et nawa ou soit et manawa il faut que le mais nawa bon alors mais nawa bon à institution ton et c'est le lot de rigueur donc ou à sort à moyen donc on et n'a Lado, misolo, lui, moi, misolo, debaya, il faut que nous fassions le développement. Ceux qui font cet appel-là, je leur dis que bon, ce n'est pas des Béninois. Peut-être qu'ils viennent d'ailleurs. Puisque au Bénin, là, notre constitution a prévu deux mandats et c'est les deux mandats que chaque Béninois doit faire. Mais si tu travailles beaucoup pour le pays, cela ne veut pas dire que tu es la seule personne qui a la connaissance et tout. Donc, si quelqu'un finit ses deux mandats, je pense que de façon libre et responsable, il n'a qu'à se ranger au placard. Moi, sur ce point, je vois ça sur deux côtés. Premier côté est que, bon, pour le moment, je ne pense pas que la constitution du pays a toléré qu'un président fasse trois mandats. Bon, je ne sais pas si la constitution est déjà changée. Bon, d'autres, c'est-à-dire le second point que j'aimerais aborder, même si le pays, la population peut-être a vu le travail que le président actuel est en train de faire sur le terrain, peut-être que ça les a plu. C'est ce qui a fait qu'ils ont voulu que le président revienne pour troisième mandat. Mais si tel est le cas, ce qui veut dire qu'on a enfreint à la constitution d'après moi. Donc là, il y a toujours un problème, un petit problème.